pour poser quelques questions. Alors, il y en avait une qui était déjà demandée depuis le début de l'intervention de Claire. Oui. Cette âme qui est en haut de notre, condition humaine, on est dans cette ligne verticale. Cela étant, au plan de l'ouverture, je ne peux pas vous répondre. Peut-être qu'ils ont tous les deux la même volonté intentionnelle d'ouverture, mais dans les faits, je pense que ce ne sont pas deux philosophes comparables à cause de ce schéma rapide que je vous propose. Je peux peut-être répondre, parce que je connais un peu Michel Desardo. Je l'ai récemment étudié d'ailleurs, dans la biographie de Michel Dos, mais en fait j'ai un peu tous ses ouvrages, et notamment j'ai étudié et utilisé dans mon travail professionnel les arts du fer. Je pense que, à titre personnel, Michel de Certeau était sur des bases complètement différentes de celles de Jacques Maritain. Il est quand même, à l'époque, il est assez proche de la mise en question de toutes les valeurs intellectuelles traditionnelles, y compris au sein, il était jésuite, hein, y compris au sein des jésuites, où il était perçu comme un disciple prometteur du père de Lubac, et que finalement le père de Lubac l'a renié, parce qu'il est parti dans des directions très différentes, qui étaient déjà après ou post-68 Arles, à savoir donc cette remise en question assez fondamentale. Alors il y a plusieurs dimensions chez Michel de Certeau, je vais essayer d'être rapide pour avoir le temps, mais il y a une dimension de sociologue qui, à mon avis, sur ce terrain-là, il est horizontal, et à mon avis, il est sur un plan qui est étranger à Maritain et réciproquement. Enfin, je pense que s'ils s'étaient rencontrés, ils ne pouvaient pas se parler, et je pense que si on avait demandé à Michel de Certeau ce qu'il pensait de Maritain, il aurait dit à peu près directement que ça lui semblait quand même assez dépassé. Maintenant, si on parle de l'approche, parce qu'il a beaucoup étudié les mystiques, c'est l'autre dimension de Michel de Certeau, hein. il y en a beaucoup d'ailleurs des dimensions. Enfin, il a deux grandes dimensions, cette dimension horizontale, effectivement, des arts du fer, qui est plutôt sociologique et psychologique, et puis la dimension verticale de l'étude des mystiques. Et là, c'est beaucoup plus mystérieux. Je crois que Michel de Certeau, c'est quelqu'un qui avançait dans une extraordinaire nuit de la foi. Il n'a jamais renié sa foi, et en même temps, il avait une difficulté extraordinaire à l'inscrire dans les cadres officiels de la foi, y compris dans les cadres jésuites. Il est resté jésuite, il a respecté un certain nombre de choses, pas toutes d'ailleurs. Je pense que je ne serais pas tout à fait d'accord avec toi sur son rapport à la transcendance. Je pense que pour lui, ce qu'il va aller chercher dans son analyse de l'expérience des mystiques, c'est justement cette dimension ultra mystérieuse qui dépasse finalement, justement lui il en reste à un plan phénoménologique, c'est-à-dire il décrit ce qui se passe, il décrit le fonctionnement de ce qui se passe, y compris un fonctionnement social, mais je pense que la quête profonde, c'était d'atteindre ce secret qui était une postulation de tout son être, mais à laquelle il lui était pas donné d'arriver explicitement. Donc il reste dans une espèce d'obscurité de la foi, mais encore une fois qu'il n'a jamais renié, donc dans un sens, s'ils se parlaient, ils ne s'entendaient pas, ça c'est sûr. Et je pense qu'il aurait renié le thomisme en général et Maritain en particulier. Si maintenant on compare leur quête,
Marita dispose d'un équipement intellectuel qui lui permet d'en parler, et d'en parler de façon, à mon avis, adéquate, alors que Michel de Certeau, en raison, ça serait trop long d'expliquer, ne dispose pas de l'équipement intellectuel approprié, et donc pour lui, ça reste la nuit nocturne. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais on est donc sur deux plans qui peuvent se rejoindre. Vous voyez, imaginez que ces deux lignes qui se rejoignent à l'infini, mais seulement à l'infini. Alors au ciel, ils peuvent se parler, s'il y a un ciel. Mais... Ce que j'entends un peu, c'est aussi qu'il y a un qui s'inscrit dans une tradition intellectuelle, institutionnelle même, et l'autre qui a un peu, qui a quitté un peu le chemin officiel ou institutionnel, tout en y restant, c'est son paradoxe. Oui, mais peut-être qu'il a choisi quelque part, ça peut très bien rester un secret personnel, une quête de cette perception directe, que plus mystique. Je propose, comme c'est quand même un petit peu un sujet différent, je propose qu'on continue la conversation à la pause, parce que là, ça, franchement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est un personnage assez fascinant, Michel de Certeau, mais justement, ça ne va pas trop loin. Parce que moi, en tout cas, je ne sais pas s'il y a d'autres interventions, mais moi, j'ai quand même quelques questions ou observations. Parce que on est emporté par ta fougue. Et donc, quelquefois, je me demande si ta fougue ne t'emporte pas aussi un peu. Enfin, bon, je dis mes questions, alors, parce que je les j'en ai quand même un certain nombre. On ne va pas toutes les examiner, on en parlera en privé, mais il y en a que je pense qu'ils mériteraient d'être dites en public. Maritain face à la phénoménologie. Là, c'est pareil, il y a le maritain explicite, du paysan de la Garonne. Bon, il fait une place à la phénoménologie, c'est une place pré-philosophique, c'est clair. Hein, c'est tellement vrai que c'est une des raisons pour lesquelles on n'en veut pas. Mettons la Cato, par exemple, où la phénoménologie a droit de cité, et du coup, Maritain, c'est l'antiphénoménologue. Des gens comme Jean-Luc Marion, honnêtement, haïs Maritain, même s'il y a une évolution réelle vers une meilleure compréhension du thomiste, Maritain n'a absolument pas droit de cité, précisément, entre autres, parce qu'il a critiqué, à leurs yeux, la valeur philosophique propre de la phénoménologie. Moi, j'aurais une réserve comme la capacité de Maritain à faire un pont entre la phénoménologie, en tout cas historique, des gens que tu as cités, et l'héritage thomiste. Personnellement, je dirais tout de suite qu'en fait, il ne s'agit pas de faire de Maritain un phénoménologue. Il est très clair là-dessus. La phénoménologie lui fait un sort dans le chapitre 3, les données du savoir. C'est très clair, il n'en veut pas. Mais je dis simplement que nous ne pouvons pas ne pas lire Maritain avec notre 20e siècle dans le dos. Et Maritain dirait, ce qui m'a fasciné, c'est plutôt le livre de Théobald, utilisant la phénoménologie, même si Théobald ne cite qu'une fois Maritain avec ironie pour le railler en note de bas de page. Il ne s'agit pas pour moi de faire un Maritain phénologue, il s'agit de dire l'importance de la métaphore, du style, du rapport à la poésie dans la phénoménologie. Et du coup, là, Maritain, que je voudrais dire, c'est plutôt ça ma démarche. Je n'irais pas du tout dire qu'ils ont un socle commun, que c'est pas ça du tout. C'est de dire, c'est en interrogation sur le langage philosophique, qui est quand même quelque chose qui le traverse. En 72, il écrit ça à propos de Bergson. Elle nous oblige, nous, en tant que lecteurs du XXe siècle, à avoir une oreille en fonction de cette quête de la poésie au XXe siècle, qui vient peut-être tout simplement du fait que la philosophie a voulu complètement, depuis le XIVe, depuis Gerson, se séparer de la théologie. Peut-être d'un retour. Oui. Bon, c'est un vaste sujet, donc, parce que j'ai une deuxième question, et qui là aussi touche quand même à quelque chose qui me semble fondamental. Est-ce que vraiment on peut dire, en plus je connais, et ça trait un peu à ce que dit Henri Barthes, et je connais Henri Barthes, je l'ai vu, on a été amis, puis après on s'est un petit peu fâché, tout à l'heure. Anecdotique, disons. En tout cas, nos liens se sont un tout petit peu distendus. Et alors, il m'a fait plusieurs confidences, et notamment qu'il avait du mal avec le côté scolastique du thomisme. Hein. Pour lui, justement, ce qu'il aimait chez Maritain, c'est tous ces débordements par rapport au thomisme. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, justement, il a insisté quelque part, comme tu l'as cité, sur la convergence de Maritain avec de la métaphysique et de la poésie. Voilà, si je reviens à cette expression. Et personnellement, j'ai des réserves, voilà. Parce que je me méfie horriblement de tout concordisme.
Et je crois que c'est très grave, c'est d'ailleurs ce que Nietzsche nous a fait, c'est-à-dire qu'il a décrété que la vraie philosophie, c'est celle des artistes, c'est l'artiste qui est le vrai philosophe, que depuis Nietzsche, on considère que le mode de pensée le plus profond, le plus significatif, le plus prophétique, disons le mot, c'est l'art, c'est l'achèvement de la philosophie. Heidegger va suivre ce chemin. Et je pense qu'il a fait un tort considérable, c'est une réaction aussi contre Descartes, d'ailleurs rationaliste, c'est une réaction. Je pense qu'il a fait un tort considérable à la vérité des choses, tout simplement, parce que, je crois, on a eu, avec des comédiens qui ont parlé ce soir, hier, au dîner, une discussion assez vive, parce que moi, je maintiens absolument quand même que la démarche du philosophe est une démarche scientifique qui s'en tient à l'objectivité du concept, alors que la démarche de l'artiste, c'est une démarche dans laquelle sa subjectivité est nécessairement impliquée. Maritain n'arrête pas de redire ces choses-là. C'est vrai que chez Maritain, comme personne, je l'ai dit moi-même, je l'ai concédé, on ne sait pas très bien quelquefois s'il ne devient pas plus que poète que philosophe. Mais ça, c'est Maritain. Maintenant, s'il s'agit de ce que Maritain veut dire, au-delà de moi, Maritain, je ressens les choses comme ça, voilà ce que je pense, eh bien, je crois qu'il tiendrait mordicus à cette valeur scientifique spécifique de la pensée philosophique qui fait partie du concept des sciences. Il ne faut pas oublier que Kant avait interdit la métaphysique d'être une science. Eh bien, justement, un des enjeux, c'est de la restaurer comme science. Alors qu'à contrario, on ne pourra jamais dire au sens propre, sinon par analogie, que la poésie est une science. C'est une science du réel, mais ce n'est pas une science objective par concept. C'est tout le travail de Maritain de l'avoir fait comprendre. Et donc, ça me paraît très délicat, je mesure mes termes, même si dans le philosophe ou le poète, ou le philosophe-poète, si on veut, c'est possible d'être les deux, je ne dis pas concrètement, ça se rejoint au niveau du soi. Et il y a bien d'autres choses qui se rejoignent, tout se rejoint au niveau du soi, puisque c'est notre acte d'exister. Maintenant, s'il s'agit des habitus, puisque tu opposes l'habitus et l'intuition, c'est donc le sujet, je dis qu'au niveau des habitus, ce sont des habitus intrinsèquement distincts, et ça serait très grave de vouloir les confondre. Alors je pense que nous sommes plus d'accord. Le propos...